Les vélos mobiles, ce sont ces vélos à trois roues sur lesquels il faut pédaler couché et qui sont protégés par une carrosserie. L'une des seules entreprises spécialisées en France vient d'emménager en Vendée. Elle était auparavant implantée au Mans et vous allez le voir, ces vélos mobiles ressemblent presque à de vrais véhicules de course. Certains modèles sont même capables de dépasser les 100 km/h. Alexis Raison. Oui, c'est bien sur un vélo que Joël Vincent, gérant de Cycle JV Fenu, est en train de travailler. Ou plus exactement, un vélo mobile, la spécialité de l'entreprise. Ce modèle-là, c'est donc un modèle Milan GT en version carbone. C'est une machine qui met à peu près 6 mois de construction. Un vélo mobile, c'est donc un vélo couché et caréné qui ressemble à un véritable petit véhicule. Tout l'équipement est là. On a donc deux positions d'éclairage, deux puissances d'éclairage à l'avant sur le premier phare, petite intensité, grosse intensité, et un phare additionnel. Certes, il est considéré au sens du code de la route comme un vélo, il roule à une moyenne de 30 km/h, mais certains modèles et certains pilotes peuvent faire des pointes jusqu'à 110. Et le prix, lui non plus, n'a rien à envier à une petite voiture, 7 à 9 000 euros en moyenne, et même jusqu'à 13 000 pour les vélos mobiles les plus performants. C'est vraiment un marché de niche. Il y a une bonne dizaine d'années en France, il y avait 5 vélos mobiles. On est à l'heure actuelle près de 400. Ça s'éveloppe tout doucement, tout doucement, tout doucement. Le vélo mobile peut attirer à la fois ceux qui cherchent à faire des randonnées longue distance ou encore une clientèle jeune, dynamique et écolo pour une utilisation quotidienne. On a des couples, j'en ai un que je vais livrer dans peu de temps sur Valence. Alors eux, ils ont complètement abandonné les voitures. Il n'y a plus de voiture du tout et monsieur, madame vont rouler en vélo mobile avec des remorques pour emmener les enfants à l'école et aller faire aussi des courses. Cycle JV Fenu a été créée au Mans il y a 3 ans. Elle a déménagé en Vendée, terre de vélo, au début de l'été. Surtout, elle est la seule à vendre des vélos mobiles en France, la seule en Europe à proposer une dizaine de machines à l'essai. Et elle ne manque pas de projet. L'an prochain, il sera possible de louer des vélos couchés à la journée. Et l'entreprise aimerait aussi s'attaquer au record du monde de l'heure en vélo mobile.